bonjour à tous. Aujourd'hui, notre rubrique itinéraire bis nous emmène dans le nord de la... Oui, je regarde ça. Ah, je me disais... Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre rubrique itinéraire bis nous emmène dans le nord de la Haute-Vienne, à Rancon, 500 habitants. On va aller découvrir quelques-uns de ces habitants au parcours particulièrement originaux. C'est parti. Alors, on arrive dans un monastère bouddhiste, car oui, il y a un monastère bouddhiste à Rancon. Comme vous pouvez le voir, on va rentrer tout de suite. On vient un peu au dépourvu, donc on va aller tenter notre chance. C'est pas au dépourvu, le mot. Ah, il y a quelqu'un. Ça fait longtemps qu'il y a une communauté ici bouddhiste, un ça centre fait, bouddhiste plus de 35 ans. Il faut savoir qu'ici, c'est le premier monastère mondial de la congrégation. Il y a des monastères importants au Canada, aux États-Unis, en Inde, à Taïwan. Ouais. Mais tout a démarré ici. Tu veux que je t'aide pour les chaussures? Tu veux que je te dépasse tes lacets? J'y vais. Allez, c'est parti. Attention. Ah, solidarité. Ouais, donc c'est une pagode donc, vietnamienne. Ouais. Et on pratique ici le bouddhisme dit de la terre pure. Donc le Bouddha principal que nous pratiquons, en fait, c'est le Bouddha Amitabha. C'est la forme de bouddhisme la plus pratiquée en Extrême-Orient. Hein, ça vient de Chine et après ça s'est disséminé en Corée, au Vietnam, puis après au Japon. Tout le monde peut venir, tout le monde peut séjourner, pratiquant ou pas. Et d'ailleurs, on encourage tous les visiteurs à le faire. Bah, très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. On va maintenant aller au Georges. C'est un restaurant qui vient d'être repris par des Anglais et qui se trouve par ici. Bonjour. Expliquez-nous depuis quand vous êtes installé ici. Depuis le 1er avril. Mm-hmm. Et c'est de la commune. C'est un restaurant de la commune. D'accord. Et comment se passe la vie dans le village? C'est sympathique comme village rencontre? C'est très franglais. Très franglais. Vous avez les dames anglaises là-bas. Yeah. Oh, hello. Qui a fait le yoga ce matin? Oh, you were in the yoga class. Ah, okay. That was good? Mm. Yeah. You're in good shape. Oh, bien sûr. On va maintenant à la galerie Van der Leek et son cabinet de curiosités. Bonjour, Sandra. Mmh. Anaïk, enchantée. Mmh. En fait, le public découvre ici les œuvres de toute la famille, c'est ça? Oui. Chacun est dans un style qui lui est propre, vraiment. Tout à fait. Moi, je suis artiste peintre ouais. depuis 30 ans, de manière professionnelle. Ouais. Voilà, j'ai exposé beaucoup dans des galeries de Touquet, Toulouse, Paris, jusqu'à Dubaï aussi. Voilà. Et depuis 5 ans, j'ai décidé de me consacrer vraiment à mon lieu sur place. D'accord. Voilà, c'est un peu un défi d'ouvrir une galerie à Rancon, milieu rural. Oui. Mais... aucun regret, que du bonheur et voilà. Bon, on va aller voir Léo maintenant. Et bien voilà. Puisque vos œuvres, elles sont là, c'est si ça, j'ai bien ouais. compris. Les sculptures sont ici, ouais. Et alors, c'est des sculptures steampunk, c'est steampunk, ça? Steampunk, ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un monde un petit peu particulier, ça s'appelle du rétrofuturisme. Ouais. Et c'est le monde de Jules Verne, en fait. D'accord. Et ça reprend l'époque victorienne, 1850. Ouais. Et voilà, donc c'est un futur tel qu'ils pouvaient l'imaginer à l'époque. Et vous êtes tombé dedans comment, vous? Alors, ça fait 5 ans maintenant, ouais. 5 ans que j'en fais. Ouais. C'est en voyant des gens en costume, en cosplay steampunk sur des D'accord. conventions. Voilà. Okay.
avec le monde du médiéval, comme j'ai suivi beaucoup papa sur ses fêtes, quoi. Christian, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre métier ? Ben, je suis forgeron d'armes médiévales surtout, enfin, disons de l'Antiquité jusqu'au 15e siècle. Donc voilà. Vous fabriquez des épées pour qui ? Ben, pour des gens qui s'en servent, c'est ce que je préfère. Ouais. Voilà, pour des gens qui font du combat, qui font de la reconstitution historique. Et est-ce que vous les testez vous-même, vos épées ? Non, je fais pas de combat en général. Ben voilà. Puis honnêtement, j'ai pas tellement le temps. Hein. Ainsi s'achève notre itinéraire bis à Rancon. Prochaine rubrique la semaine prochaine sur les routes du Limousin.